Avant de retrouver votre programme, juste une petite question. Avez-vous déjà fait un point sur votre retraite ? Médicis, spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs, vous invite sur mutuelle-medicis.com à prendre rendez-vous pour bénéficier d'un diagnostic retraite offert avec un expert Médicis. Alors n'hésitez plus, faites le point sur votre retraite avec Médicis. Et maintenant, votre podcast. Bonne écoute. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. On parle banque en ligne aujourd'hui. On a choisi bien évidemment à La France Bouge le leader du secteur qui est largement leader, Benoît Gressoni, directeur général de Boursorama. Ils ont dépassé les 3 millions de clients. Les prêts immobiliers marchent très bien chez eux. Leurs clients ont 35 ans en moyenne et ça s'est fortement rajeuni ces dernières années. Et des clients qui jouent de plus en plus en bourse, notamment depuis le Covid. Mais je crois que ça avait déjà un petit peu frissonné au moment de l'introduction en bourse de la Française des Jeux en 2019. Eh bien, là aussi, on va peut-être souhaiter à notre trophée, peut-être un jour d'aller en bourse et lui aussi de faire frissonner les marchés. Pour ça, il va défendre son dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, Benoît Gressoni, patron de Boursorama. Et puis, bien évidemment, notre fée à nous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui va nous apporter bien évidemment ses précieux conseils. Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans La France Bouge, lancé il y a 2 ans. Bonjour Abel Biver. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Nostrum Care. C'est une nouvelle assurance, 100% digitale là aussi, donc on reste dans le tout en ligne aujourd'hui, système, qui couvre tous les nouveaux besoins, et des besoins auxquels on ne pense pas. L'assurance par exemple du colis, jamais livré, pratique, ou encore l'assurance pour la consultation en médecine douce, ou pour les protections hygiéniques. Vous avez 30 ans et ce n'est pas votre première entreprise. En plus, Abel, hein, vous êtes parisien. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était fort hein, d'aller dans ce secteur de l'assurance, un secteur si mal aimé, si incompris. Vous y êtes allé. Alors, vous allez nous décrire votre assurance 100% digitale. Vous avez une minute pour le pitch. C'est parti. Vous avez raison, la France, elle bouge et à très, très grande vitesse. Malgré tout ça, il y a quand même un irréductible village gaulois qui s'appelle le monde de l'assurance. Donc nous, avec Nostrum Care, on a essayé tout simplement d'ouvrir un peu ce village gaulois au reste de la France. Donc concrètement, Nostrum Care, c'est quoi? C'est une application mobile au design moderne, fluide, qui permet de rendre plus compréhensible et donc accessible l'assurance. Et tout ça sans paperasse, tout digitalisé, comme vous avez pu le dire. L'autre point fort aussi de Nostrum Care, c'est qu'on propose des garanties, des couvertures qui sont révolutionnaires, qui s'adaptent à l'évolution de nos modes de vie. Vous avez cité les médecines douces, les protections hygiéniques, l'orthodontie adulte, le blanchiment des dents, tous les risques liés au sujet d'Internet, mais aussi le harcèlement scolaire, enfin voilà, tous les risques du quotidien. Et comme tout changement peut faire peur, on a décidé de proposer une offre découverte qui est sans engagement à 19,90€. Parce que je vais reprendre un peu ce qu'avait dit Benoît Gressoni tout à l'heure. Aujourd'hui, les jeunes trouvent qu'avoir une banque en ligne, c'est normal. Nous, on aimerait qu'avoir une assurance en ligne, ce soit normal aussi. Alors, 19,90€, parce que pour une fois, quelqu'un pense à donner le prix, c'est bien. Pendant 3 mois, après, ça passe à 39€. Tout à fait. Mais c'est une sorte de pack découverte. Si on veut tout, c'est, il faut prendre le pack Gold. On m'a dit que c'était à 99,90€ par mois. Alors non, en fait, vous avez tout dans tous les packs. C'est juste, en fait, le niveau de remboursement qui diffère entre chaque pack. Donc, et effectivement, pack découverte, 19,90€ pendant 3 mois. Et puis après, on passe à 39€. C'est tout bien à ça fait. Et c'est sans engagement. Et ben voilà. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Abel, bonjour Emmanuel. Bonjour. Abel, coucou. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui analyse en chaque jour, qui épluche chaque dossier pour les trophées de l'avenir. Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie, de Nostrum Care? Eh ben voilà, fini les 200% du ticket modérateur ou les 5% du PMSS. Emmanuel, Elisabeth, vous avez 2 heures pour me décrire moi ce que c'est que le PMSS. PMH, Ah ben voilà. C'est le niveau de ces remboursements de la sécurité sociale et c'est 41 000 euros l'année en ce moment. Donc 5% de, vous faites le calcul, je pose mon 2, je retiens un. Bref, on n'y comprend rien. Donc voilà, maintenant on a des montants clairs qui sont en fait débités à chaque utilisation d'assurance. Voilà, c'est assez simple. Puis le deuxième gros point fort, c'est les boosts. En cas d'imprévu, on peut augmenter son niveau de remboursement. Alors, des points améliorés, c'est surtout les explications, en fait, parce que vous innovez, donc il faut qu'on comprenne facilement ces nouveaux codes. D'abord, à qui ça s'adresse? Vu que les salariés ont une assurance santé obligatoire, on suppose donc que vous intervenez, en fait, en surcomplémentaire, en complément. Voilà, donc, bah, dites-le. Et puis, peut-être que ceux pour qui n'ont pas de mutuelle, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas de mutuelle, est-ce que vous pouvez aussi intervenir pour eux? Bref, dites-le. Sur les cagnottes, détaillez plus. Vous dites 20% pour les dépassements d'honoraires de médecins.
médecin. Ses parents, par consultation. Vous parlez de la téléconsultation. En quoi est-ce différent du remboursement du médecin? Pareil pour le certificat médical. C'est dans le cadre d'une consultation. Et pour la licence sportive. Donc, si je vous envoie les frais d'adhésion au club de volley de mon fils, vous me remboursez la partie qui concerne la licence. Pour les séances de psy, c'est quoi le pot commun? Sur tout ce qui est conflit juridique ou cybersécurité, vous dites que c'est inclus dans l'offre. Mais qu'est-ce qui est inclus en fait? Un avocat, un conseiller? Bref, plus d'explications. Pour les boosts qui permettent d'augmenter ses cagnottes, en fait, vous dites que ça ne coûte rien. Eh ben, c'est tellement étrange d'avoir plus pour le même prix que ça demande un petit peu d'explication là encore. Donc l'idée, c'est vraiment de garder la simplification que vous avez faite, mais de proposer un en savoir plus pour ceux que ça intéresse et que ça rassure éventuellement. Puis une suggestion, avec votre système innovant, en fait, vous êtes vraiment à deux doigts de l'assurance totalement sur mesure pour ceux qui voudraient, bah, je sais pas moi, 400 euros de cagnotte pour les lunettes, mais zéro pour la mobilité, par exemple. Et là, on serait sur le bonheur totalement absolu. C'est bien cette idée d'assurance sur mesure, Nathalie. Qu'en dites-vous, Abel Biver, de tout ce que vient de vous dire Nathalie? Il y a plein d'idées, mais ça revient souvent. Les explications, plus de clarté, rassurer le client. Oui, c'est sûr que c'est un peu notre... aujourd'hui, notre enjeu, c'est de pouvoir présenter une offre qui soit extrêmement claire. Tout le design sur l'application est extrêmement clair. Il faut réussir à être extrêmement clair dans nos explications, ça c'est sûr. Donc c'est un point qui est soulevé et qui est très intéressant. Après, bien entendu, on a voulu casser un peu avec les jargons un peu complexes du monde de l'assurance. Donc on est sur des explications parfois très synthétiques, peut-être un peu trop. Benoît Grisoni, je rappelle que vous êtes le DG de Boursorama. Ça ressemble quand même beaucoup à votre modèle, en tout cas à tout ce que vous essayez de faire. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Déjà, je lui dis bravo parce que j'ai envie de l'acheter. Déjà, c'est réussi. Donc c'est validé déjà. Déjà, c'est réussi. Bah, attention, vous avez des produits d'assurance, je rappelle chez vous aussi. Mais je trouve ça. Je crois qu'on se marche pas trop sur les pieds. Et puis, je pense que l'idée est bonne de dire que finalement, l'assurance, je parlais tout à l'heure de la banque, a besoin d'un peu plus de simplicité. Et il y a pas mal d'initiatives, hein, évidemment, qui existent dans le domaine. Je pense que c'est un domaine dans lequel, en effet, on a besoin encore plus, peut-être demain, de prendre en main son destin, de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que la notion de pédagogie, j'allais en parler aussi. Et d'ailleurs, nous, on le voit, c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est un travail permanent qu'il faut faire pour arriver à ramener les Français à comprendre, finalement, ce que c'est que la finance ou l'assurance ou la banque. C'est pas des matières très... pas très digestes. Pas très sexy au départ, on va dire. Et donc, il faut le faire. Il faut expliquer ce devoir de pédagogie. Surtout les assureurs, hein, quand on a besoin d'eux, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas le bon alinéa. Donc, Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alinéa. C'est ce que j'ai trouvé bien, effectivement. Non, franchement, c'est assez convaincant. Vous avez besoin de quoi? Comment on peut vous aider, Abel Biver? Écoutez, là, nous, on est sur une phase de lancement. On a près de 3000 téléchargements de l'application. Levée de fonds en cours. On en a fait une première pour justement lancer cette première offre. On va se diversifier, bien entendu. Donc, nous aurons besoin de jouer sur notre réputation, parce qu'aujourd'hui, on est tout petit, on n'existe pas encore. Donc, jouer sur et gagner en réputation pour pouvoir passer aux étapes. Prochaine barrière. Bravo à vous. Merci à vous. Ça s'appelle Nostrum Care. Merci Abel Biver d'être venu dans la France Bouge nous présenter votre projet. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous voulez venir comme ça présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.